Allez, et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va, merci de le demander. On se retrouve sur Helldivers 2 avec les 4 zinzins qui m'accompagnent, donc Ligos, Olivier, Egor, et on va se faire des petites missions en 4. Je vais faire un petit câlin à Olivier en attendant. Et un check avec Gore. Bon. Et on va sélectionner une petite mission. L'ennemi a attaqué par surprise l'une de nos planètes. Ils ont besoin de nous. Je vous propose de quitter la planète désertique là, qui est un peu. On voit rien dedans quoi. C'est compliqué. Et on va se faire une mission pas de nuit, non, c'est pas bien comme ça. Cette opération affaiblirait les capacités ennemies. J'ai plus mon armure orange, j'ai envie de pleurer. Ah bah ouais. Je l'ai enlevé parce que la dernière fois que j'ai joué avec Jenny et Gore, et Fob, avec la orange, je sais pas ce qui se passait, mais je marchais à 2 à l'heure, quoi. Depuis, je l'ai abandonné, alors que je l'aimais bien. Parce que les armures sont pas prises en compte, donc Fob a dû dire à Jenny, hey, équipe une armure légère, comme ça on va vite. Ouais, mais moi-même, la mission juste avant, j'avais pas l'impression de courir aussi lentement, tu vois. Oh, c'était bizarre. Alors, je vous préviens, moi je suis team éclaté au sol. Hein. Ah ouais, non mais moi bien, ouais, aussi, hein, t'inquiète. J'ai le combo PS5 et j'ai commencé hier, donc. Très bien. Ça croit. T'inquiète, pas bon non plus. T'as commencé hier et t'es niveau 5, ok. Oui, après on est là pour s'amuser, peu importe. T'as pas passé la nuit dessus encore, ça va. Même temps, vous pouvez pas, il était cassé hier soir. Ouais. Lancement du Hellpod initié. Non, j'ai fait 3 parties avec Bitume, je crois, que c'est tout. Bon, et après, dans un premier temps, et à ce niveau de difficulté, tu tires sur les méchants et c'est bien. Pas de. Puis ça fait quand même 1h30, 2h de jeu, quoi. Tintintin. Les 4 suppositoires arrivent sur la planète. Tir allié, tir gâché, comme dit le proverbe. Ok, oui. Je l'avais jamais eu celle-là. T'es pris une petite balle dans le dos de Gore, ça fait pas de mal. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Un tir de canon de 200. Oh putain, il y a les insectes verts, il va y avoir plein de crashers sur la carte. Il y en a déjà derrière nous. Que la liberté me sauve. Et on est en plein dans le champignon, parce qu'on voit que dalle. Ah, ils ont donné l'alerte. Ouais. Ils ont donné l'alerte. Comme c'était dit dans les journaux de propagande russe au début du 19e siècle, du 20e siècle, les balles traversent les chairs de part en part sans causer de dommages. Bon, un vrai patriote. Et c'est chaud là, on voit rien en France, du tout. Dans les années 80, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Exactement. On avait des frontières vachement efficaces à l'époque quand même. Putain, je lui ai explosé la tête. Et il court encore. Cours et cours le poulet. Prenez ce que vous avez à prendre et on se casse vers le nord après. On va pas rester là. Ouais. On va faire le gros nid tout de suite. J'allais carrément à l'opposé quasiment. On va tout de suite faire le gros nid comme ça c'est fait. Ouais, je vous suis. Il y a un point d'interrogation pas loin. Il y a un peu plus. Il y a un champ de maïs transgénique de Mars là. C'est très rigolo, je l'avais jamais vu. Oh putain. D'accord, c'est un chargeur en fait. Ah, c'est une bombe, jamais on croise du monde. On sait qu'ici, il y a un truc explosif, là. Il y a une 500 kg non explosé par terre. Ouais, ils ont tout pourri leur maïs, quand même. Ok. C'est du canard de l'espace. Rien de spécial ici, on va se casser. Plein d'or. Un truc là dans la crevasse. J'ai déjà plein de sang sur ma belle armure toute neuve. Oh. Ah,
les baptiser. Alors, au pressing, pourquoi pas. Pressing. Ah oui, le pressing. Le pressing de l'espace. Attention, pas sombrer dans les blagues douteuses. Oh, il y en a une deuxième, là. Bombe de 500 kilos non éclatée. Bah, je pense qu'elle fait plus que 500 kilos. Est-ce que ça fait vraiment un gros boom, ce truc hein. Parfait. Allez, maintenant. Voilà. La lumière, c'est joli. Pareil, bombinette. Il y a un chargeur. Il y a un chargeur de main. Ok, c'est efficace. Puis on va descendre dans le trou, nettoyer tout ça. Allez, avance. À quoi ? Vitre. Viens goûter à ma démocratie. Ah. Oh non, ça rebondit sur le cadavre. Ouais. C'est sale. Ouais, pareil. Ok. Ouais, j'ai déjà plus de... De grenades, ouais, ça, il m'a... peut-être rappeler tout de suite un... Mais c'est quoi, on peut les tirer au canon. Bon, bref. Mais j'ai pas pensé non plus. J'ai jamais réussi, moi, ça. Ah bah, garanti. J'ai essayé, mais... Bon, il faut être bien en face, Y'a un Aiwa là-bas. Y'a un Aiwa là-bas, c'est indiqué. Ça ? Un champignon ? Oui. J'ai retenu. Maintenant, c'est un Aiwa, c'est bon, c'est ça. Au canon. Où ça ? Il est pointé, là, au sud-est. Ouais. Je le vois pas du tout. Ah, mais je rush dessus, je vais le sniper à l'autocanon. Ça va pas faire un pli. Attention, on patrouille quand même. Ouais. Il y en a. Je le vois pas du tout. Hein. Il est passé à gauche. Je l'ai pas vu en vrai, hein. C'est sur la map. Ah bon ? Je l'ai ping, normalement tu devrais le voir. Ok, ouais, je vois un nid en fait. Merde, on a donné l'alerte. Oh putain, c'est... Je lis la frappe. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je m'en approche vachement là, a priori, et que je vois pas d'arbres. Bah ouais, en même temps, on voit rien du tout ici. Ce que je vois, c'est un très gros ping dans la zone où tu vas, donc il doit y avoir un chargeur ou des crashers. Après, est-ce qu'il y a vraiment que les champignons qui font cette brume ? Ok. Mais il était plus petit que d'habitude, bizarre. Ouais, c'est peut-être ça qui joue. Et un peu de monde. Oh non. J'ai pas le temps de sauter. Ah. Ah bah Olivier, reste avant moi. Il était à côté de moi donc... Ouais, mais Gore est à côté de moi. Ah, on peut pas séparer le res, c'est pas grave. Ah merde, oui. Là, moi j'ai un énorme bug là sur l'image. C'est les ennemis du jeu, bah, c'est normal. Fallait que quelqu'un se dévoue une fois pour la faire. Hein. C'est bon, on peut passer autre chose. J'ai une énorme vague. Voile. Genre une voile de bateau. Ouais, j'ai eu un truc à un moment, un voilier. Comme un voilier, ouais. Waouh, c'était quoi ça? Ouais, t'as peut-être tiré sur une de ces bombes non explosées. Par loin tout seul. Non. Ok. Tellement bien le canon tôt, quoi. Ah ouais. Non, depuis que j'ai découvert ça. Avant le canon laser, je pense que c'est vraiment la meilleure arme du jeu. Pour les blinder en tout cas. Je recharge. Oh, il y a des chasseurs. Non. Oh, ils sont apparus les deux devant moi, j'ai eu très peur. Oh, attention, parce que ça s'appuie s'il y a des chasseurs. Hein. On va se faire un one shot, on va pas comprendre. On est où là?
On est sur l'objectif, mais je trouve pas le terminal. Ah non, c'est faire péter les bâtiments. C'est une bombe. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais réussi à le faire en une seule fois, ce truc-là. Si, il faut bien la mettre au centre, en fait. Ah, ok. Bah, là, je l'ai pas mis du tout au centre, c'est bien. C'est parfait. Tu vois, les bâtiments, ils sont là et là, en fait. Après, ouais, elle est pas assez large. Le rayon d'effet est pas assez large, clairement. Il est coincé. Ah, voilà. Plein ouest. Je reste parce qu'il va falloir en ouvrir une deuxième. Pas trop, hein. Pas trop près quand je veux dire. Oh putain, chasseur, chasseur. Putain, la vache. Oh la vache. Putain. Oh merde. Allez, d'accord, il est derrière. Il m'a défoncé. Merde, je spawn peut-être un peu au milieu des mobs. Oui. Non, je suis reçu ralenti. Et cours. Hop là. Oh la vache. Deux chargeurs. Oh joli. Et j'ai plus de mine. Attention. Ouais, ouais, ouais. Attention, bombe. Sont-ils un peu nombreux? Ah, un poquito. Ouais, avec un peu de chance, ils vont prendre la bombe, là. Oh, putain. Je trouve pas mes échantillons, quoi. Oh, la vache. Ça a toujours pas fini, le truc. Non. Oh, j'en ai marre. Il y en a encore 5, attention. Rien, je voudrais bien les éclater en tombant, mais je vois rien du tout. Non, 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 non! Comment est-ce possible? Chargeur vide! Rebombe! Un blindé. Merde, j'ai plus de munitions sur mon truc blindé, là. J'arrive pas à retrouver ma sacoche. Fais gaffe, y'a un chasseur qui arrive sur toi, Gore. Il y avait un missile aussi. Munition. Bien arrivé, sors-moi l'explosion. Oh putain. Attention, chasseur. On est avec toi. Il y en a un deuxième. Ouais. Mission ici, hein. Je vais chercher le. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est des échantillons? Ah non, c'est le matos de Gore, ok. Tout va bien. Oh, je m'en souviens dans le Divers 1 quand j'avais 100 heures sur le jeu puis que j'avais plus besoin de ramasser les échantillons. Alors, regarde Fob, regarde. La joie. Tu vois le nid? Oui. Ah, au canon. Deuxième nid. Ah, sauf s'il y a des mobs qui se mettent devant, mais ça c'est normal. Ok. Attention. Aïe, tu m'as tiré dans la jambe au passage. Pardon. C'était trop loin. Ouais, ah mais c'est un plomb, tu sais. Derrière vous, chasseur. Ouais. Ah non, putain. J'ai pas pu un chasseur, en fait. Ah. T'as du stuff là-bas, parce que pire, je te rappelle ici. Hein. Ouais, y a pas de grenade, enfin y a pas de sample, je peux rappeler un sac, vas-y. Ok. Merde, du coup on a perdu vachement de temps. On se barre, venez, on se barre, malgré qu'il y ait des mobs, il faut avancer là. Ah, mais il y a un échantillon, c'est pour tout ça. Là-bas, il y en a deux, ouais. Il y en a plein là. Ah, il y a un chargeur aussi, Olivier. Wouhou. Oh, il y a un autre nid là-bas. Ouais. Sauf que j'ai rien. Canon. Ah, j'ai sauté trop tôt. Oh, je vais mourir. Ah putain, attention, j'ai balancé un canon. Ouais, c'est... J'étais coincé dans les pieds du chargeur. Il est dans quel côté ton stuff? Je te renvoie où? Bah, peu importe, ça c'est pas grave.
On va rester par là de toute façon, parce qu'il y a l'objectif, il y a le nid à faire. Je suis en train de prendre, je suis en train de prendre cher. Ah, il y a des. Si tu peux m'aider. Putain, effectivement, l'autocanon. Pour les nids. Non. Ouais, ça marche. Hein. Fab derrière. Ah non, soit derrière toi, j'ai rien dit. Ah, c'était quoi ça? Ah putain, c'est un crasheur de merde. Merci, Gore. Quel chargeur est mort? Ah, bordel. Le chargeur, je crois qu'il s'est pris mon coup d'orbital, mais je suis pas sûr. Ok, allez, on se casse, Gain. Ouais. On va faire les nids d'abord, comme ça on sera tranquille. Parce que s'il y a des nids, il y a plus de chances qu'il y ait des ennemis dans la zone, du coup. Ok. Y a pas d'autres échantillons ici. Y a des mules là si quelqu'un veut. Putain, y'a un chasseur sur moi aussi. What? Mais j'étais en train de lui tirer dessus. Putain, il est foncé. Là. Oui. Y'a rien parce qu'il y en a plein qui arrivent par derrière. Ouais, j'arrive. C'est pas par là du tout, hein. C'est Y'a un point d'interrogation là où je suis. Ah. Je vais voir vite fait. Ok. Moi je vais dire au prochain nid alors. C'est plein de munes si vous avez besoin. J'aurais bien pris, mais c'est un peu loin là. Il y a de l'échantillon aussi. Ouais. Oula, attention, plein ouest, il y a des. Il y a une. Une patrouille. Une patrouille. Ouais. Salut Chakouras, on vous voit, c'est JP. Ah ok, coucou JP. Une blatte patrouille. Oh merde, j'ai donné l'alerte, sérieux. On va faire comme ça parce que j'aimerais pas perdre trop de temps. J'ai cru voir un. Non, je vois ce qu'on fait. J'ai cru voir un truc jaune. Ah ouais, mais il est à perpète, putain. Une brillance jaune dans le ciel. C'est juste là. Là, je vais juste chercher. Il y a un avion qui s'est écrasé avec du stuff là. Je vais regarder ce que c'est, puis j'arrive. Il y a plein de munitions ici. Un échantillon. Il y a plein de munitions si vous voulez là. Ah, puis c'est là le truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Médaille. Oh putain, ça pour un flingue. Vibration. Oh, badaboum, hein. Oh, c'est joli de très loin, c'est vraiment très joli. Oh, la belle rouge. Envoyez un aigle. Envoyez un aigle. J'en ai balancé un aussi. Je trouve un site interminaire où il n'y a rien du tout. Ah, si c'est là. Ok. Au niveau de l'ordinateur là. Merde. Non, c'est la. C'est l'antenne. Ah, il faut que quelqu'un aille à l'antenne. Ah, mais Mais... C'est pas incroyable, ça. Allez. Alors, il faut tourner l'antenne... Non, c'est bon. Ah non, il faut que je charge d'abord. Bim. 10%.
100%. Le bordel. Pour la prospérité. Chargeur vide. Pose délire. Ah, le colis. Allez. Ah, tu l'as le colis, c'est bon. Ouais, je l'ai, je l'ai. Alors, vous aimez le coup de la liberté? Renfort vital demandé. Ok. Non, pas ok. Ok. Ouais, il continue à courir. Tu cours, hein? Bon. Je sais pas où il faut le mettre. À l'autre bout de la carte, au nord. Tu vois l'objectif? Oh, au nord, il faut le mettre là-haut. Et t'es obligé de te balader à la main avec. Donc à chaque fois que tu veux prendre ton arme à deux mains, il faut poser le truc. Ouais. Vaut mieux se grouper, hein. Oh putain, merde. À l'ouest, là, il y a du monde, Gorgor, tu vas droit sur une patrouille. Faut qu'on remonte vers le nord, là. Faut qu'on aille faire l'autre nid. Faut leur passer dans le dos. Hein. Ouais. Ah bah, ils viennent sur nous. Ah bah, entre les deux, alors. Recharge. Attention sur le... Dans le petit... Ouais, vous m'avez compris. De toute façon, vous les avez vus. Ah! Attaquer de moi. Balle, putain. La loose. Ok, on s'en est bien sorti. Ouais. Non, mais les patrouilles nous viennent dessus, quoi. C'est pas sympa. Ouais, mais c'est clair. Allez, plein nord. Aïe. Je l'ai esquivé en longeant la falaise. Je l'ai esquivé. Il y a des munis ici, si vous voulez. Ah, carrément. Si, ça aurait été intéressant. J'ai une petite barre jaune dans mon... J'utilise pas beaucoup le... Enfin, le double canon, je l'utilise, mais pas autant. Ah, j'utilise que ça, moi. Ouais, dès qu'il y a un blindé, moi, c'est ce que je... J'utilise beaucoup plus le pompe. C'est quoi, où on est là? Il y a encore plein de mines, évidemment, le troll. Que je viens d'en appeler... Ok. Next. Ah merde. Ah oh, waouh. Allez. J'ai pas trouvé les munitions. Enfin, j'en ai croisé plein dans l'autre. C'est loin maintenant. Ah le. Encore deux minutes pour les munitions. J'ai plus de ça en masse. Ouais, je vais mettre une bombe nucléaire en arrière, attention. Un fusil de précision là, si vous, ça dit quelqu'un. Non. Courez, courez. La mécanique est vraiment pas intéressante. J'ai trouvé quelque chose. Ok. Pourquoi tu hurles en disant ça? Quelque chose. Oh putain, il y a un putain de ravin là. Attention, vous mettez les pieds en avançant. C'est son côté labrador. Il est content d'avoir trouvé quelque chose. Il y a un labrador spécifiquement dans tout ce qui existe comme chien. Oh la vache, en face. C'est que du petit, mais... Allez, mange ! Mange ça ! Je vais aller voir dans le canyon, parce que si le jeu indique qu'il y a un ping, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Dis-moi qu'il y a quelque chose, s'il te plaît. Grenade, un échantillon rare, ok. Échantillon rare récupéré. C'est pas mal. T'as pas d'estime? Non. Non, y'a rien d'autre, y'a un autre, Olivier, t'en meurs pas. Aïe, je suis décédé. Attention, j'ai lâché la bombinette avant, je crois. Ouais, tu l'as lâché, je confirme. Tu restes dans la bombinette, comme ça tu pourras récupérer ton stuff. vers l'ouest, y a quelque chose. Ouais, y'a un petit bâtiment avec un crasher dedans. Ah oui, merci. Putain, j'ai vraiment plus de balles, j'ai vraiment plus rien. 9 secondes. Ça, c'était la plus belle grenade du monde si ça marche. C'était magnifique. Ouais, joli. Tout en sautant couché là, c'était. Ouais. Ah non.
Max Payne. C'est ça. Attention, il y a un gros encore. Trouvez quelque chose. Ah, vivement niveau 20 pour le fusil laser, vraiment. J'ai un échantillon. Ok, ici il y a que ça, on se casse, on va aller au nord faire le dernier nid. Il n'y a pas des munitions, hein. Je vois pas ce que c'est le truc laser là que tu dis. Le railgun, c'est je sais pas c'est quoi le nom en français, je crois que c'est fusil laser. Je l'ai pas vu. C'est celui que quand tu charges trop, tu te fais péter la gueule avec. Hein. Ouais, c'est ça. Électromagnétique. Fusil électromagnétique. Avec ça, tu touchotes les chargeurs si tu te démerdes bien. C'est niveau 20 ça. Ouais. Oh pardon, je passe devant. Merde. Ouais, faut partir. Au-dessus. Aïe, aïe. Oh. Ah. Putain de rocher, fous-moi la paix quoi. Pensez dans le rocher. Pas de panique, pas de panique, 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 panique. Ah bien sûr, au moment où je tire, il me saute dessus quand j'ai plus de balles, enfoiré. Y a un chargeur qui arrive. C'est la guerre, shit happen. Il va où? Je suis là, ouh. Attention Fab. Ouais. Oh joli, oh merde. Aïe. C'était joli jusqu'à ce que Gol s'envole. Attention, Gol recule. Voler tes échantillons hein, parce que c'est okay, mon principe de vie. Stole everything. Oui, j'étais content, mais le chargeur, tout ça est tombé. C'était archi beau. Ah, c'était archi beau. Même ton vol. Ouais, oui, il était beau aussi, j'imagine. Au fond, je lui mets 10. Je trouve pas mon sac à dos. Quelqu'un a-t-il volé mon sac à dos? Non. Il est là. Demande à Shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh, comment je t'ai calmé, toi? Ah, j'ai plus de balles non plus là-dedans. Oui. Nouveau chargeur. Un chargeur, il a dit? Non, c'est bon, nouveau. Oh, elle était belle celle-là. Ouais, en biais. J'ai essayé de la voir au canon et ouais, au canon en biais ça marche pas. Hein. Ah, ça voulait pas. Hein. Faut bien de face pour que ça touche ouais, la. Ouais, il faut être de face. Ouais, il faut que ce soit bien au centre. Alors, il va y avoir plein de blagues qui vont se mettre dans notre esprit, mais il faut aller vraiment au fond du trou. Au fond du fond. Pour toucher la hitbox. Hop là, il y a du monde là-bas. Sentinelle. Ouais. Okay. Ok. Ouais, on va rester peut-être un moment le temps qu'on fasse le truc avec le disque dur là. Oula. C'est ici qu'il faut l'amener le disque dur d'ailleurs. Erreur, pas de puissance. C'est tout. Oh, bah, t'es, y a de la puissance là. C'est tout, ok, bon on a tout fait. Oh, un petit échantillon rare, dis donc. On a fait combien de missions secondaires? Le champignon, la fiole. Il doit en manquer une. Il y a le transfo qui est là, il y a l'air d'avoir un bouton, mais je pense qu'il faut faire quelque chose avant. Utiliser le terminal, on n'a pas fini encore en fait. Faut utiliser le terminal. Ouais. Non mais tu disais qu'il n'y avait pas de puissance, donc comme je suis à côté du transfo. Ah, peut-être. Il n'y avait pas marqué erreur puissance ou un truc comme ça? Si, si, si. Mais là, c'est marqué utiliser le terminal, donc. Est-ce que pas de puissance, c'était avant que tu mettes le disque dur? C'est bon, terminal, c'est fait. Ok. Ouais, parce que ça a l'air alimenté, hein. Positionnement de la tour. Ok. Ravitaillement. Oh oui. Ah oui, s'il vous plaît. T'inquiète pas, moi aussi. Je suis au niveau du satellite, hein, vous me direz comment il faut le tourner.
76, 80. Et après, on va passer par là parce qu'on n'a pas exploré avant d'aller. Mon sac à dos est plein de munitions, ça faisait des années que c'était pas arrivé. Comment il est le satellite là 180, ouais, vas-y, continue. Okay. Encore. 90 encore. Attention. Stop, c'est bon. Ok. Lancez. Bah, allez, on se casse. Je passe par là. Attends, il est encore en train de charger là. Faut juste attendre le satellite, on a plus besoin de le toucher. Il est à 12%. C'est une petite patrouille, c'est rien. Tout ça pour une petite patrouille. Vous étiez 4. Oh, ouais. Ah, elle sert malgré tous les gotenis. De 65%. Mais putain, c'est long. Matériel requis. Merci. Oh, wow. What? Quoi, ça a pas été jusqu'au bout de l'animation? C'est bizarre. Ah, moi je l'ai vu en entier. Ah ouais? Ça y est. Ces animations du diable, quoi, c'est n'importe quoi. Où ça? Quelle animation? Quand tu sautes d'une hauteur et que t'atterris dans l'eau, ton personnage nage vers la surface, mais vu que c'est une flaque d'eau, en fait, t'es en train de nager dans l'air, quoi. T'es ridicule, t'as pied. J'avoue que les animations sont folles. D'ailleurs, Jenny m'a dit qu'elle avait fait beaucoup trop de Helldivers 2 parce qu'elle a rêvé que cette nuit elle devait esquiver des gens en faisant des plongeons qu'elle pouvait pas faire autrement. La de merde. Dans la rue, pardon. C'est ça. Pardon. C'est ça. Avec ta tasse de café à la main. Et merde, oh, attention. C'est exactement ça. J'ai trouvé quelque chose. Oh, un gros nid, attention. Enfin, pas un nid, mais un endroit où il y a plein de méchants. Il n'y a plus de méchants, en fait. Chargeur vide. Non. Ah merde, ça a donné l'alerte, putain. Une double porte. Non, je pense que vite, c'est vite, bon. Vite, alors ouais. On... Et tous dans le ravin. Double porte. Attention, j'arrive. C'est bon, tu peux lâcher. Oh, au-dessus de toi, gars. On peut se casser après si il y a besoin. Tout ça pour 300$. Sérieusement. Allez, on se casse. Il y a un mob dans la falaise. Plein sud. Plein sud extraction direct, c'est ça? Ouais. Bah en soi je vois pas où est la dernière quête secondaire si on a il une. Il reste 9 minutes. Je suis pas sûr qu'il y en ait une. Hein. Je sais pas. En général il y en a 3. Hein. Et on a 4 échantillons sur 12. C'est pas, hein. C'est pas non plus. Juste en face, si on continue tout droit, c'est un peu trop loin de l'extraction. Ça c'est pas une pièce de base de quelque chose ça? Avec un petit drapeau là? Ouais. Je sais pas. Il y a déjà un truc qu'on a exploré là-bas, c'est peut-être ça. Après là où on n'a pas exploré, c'est tout au nord en vrai. Alors, je suis sûr qu'il y a un truc là, attends. Ah déjà, il y a des mobs, voilà. Chargeur vide pour la démocratie. Et encore un insecte en vie, quoi. Il a plus d'ailes, mais il bouge encore. Ah, effectivement, c'est un objectif, ça, je crois bien. Ça me semble être un peu complexe pour être juste un... Ouais, il y a un terminal là-bas. Ouais. Là-bas, ouais. Attention, il y a un gros... Non, mais c'est là qu'on a pris le disque dur. Je sais pas, hein, je vois plus sur... Ah oui, ici, c'était là. Ici, c'est sûr. Merde. Bon bah, on se casse. Ah, y'a un échantillon rare juste là. On a quand même bien fait de venir. Allez, du coup, sorti. On suit le gros trait bleu. Dégagez. Attention, ça arrive par la gauche. Ouais. J'appelle l'extraction. Valise de ravitaillement déployée. Je demande une frappe orbitale. Il faut une meilleure puissance de feu. Qu'est-ce que j'aime bien de rester à regarder ça. Ouais, le laser, c'est assez.
assez jouissif. Comme diraient mes gamins, c'est satisfaisant. Si tu veux t'amuser avec le gros canon, Ligos, je l'ai fait popper là. Surtout popper à la fin, ça peut servir. What? Oh. Vas-y Fab, je te soutiens. Merde, je te soutiens plus. L'image, il est quoi? Avec Olivier qui était devant, avec la bombe nucléaire juste devant ses yeux, tu sais, le mec il branche pas. T'as mal aux yeux quand même. Ah, tu m'étonnes. Ah, j'avoue que c'est pas la même... Pas la même cadence, hein. Ah ouais, clairement. T'as vu que tu pouvais passer en automatique carrément, ouais, ce fusil. C'est débile par contre, ouais, en termes de recul. M'étonne. Déjà le en coup par coup c'est ridicule. Ah, tu m'as bien sucé toutes mes munitions, c'est bien, c'est bien. C'est ça. Ah, il arrive encore à me cracher dessus, l'enfoiré. Pour te donner une idée en termes de mun, t'as cramé 7 petits barres jaunes de mon sac. Ah, c'est un peu violent, ouais. Ah mais efficace. Ah oui, oui, clairement. Après, vu que ça empêche le deuxième joueur de tirer en même temps, je sais pas si c'est si OP que ça, mais... C'est si rentable, ouais. Moi je pense que c'est une bonne arme de transition entre le ça et le fusil électromagnétique, mais effectivement je pense que c'est mieux de la jouer tout seul. Et moi de ce que j'ai vu sur les streams, les mecs ils prennent même pas le... sac ? Ils prennent le sac de mun en fait, en plus. Bah ouais. Ouais ouais. Et ils se la rappellent quand ils en ont besoin. Hein. Bon bah GG, en tout cas, ça a bien roulé. Ouais, j'ai déroulé. On est trop fort. Je pense qu'on est bon pour faire du 7. Ouais, tout de suite, chez les automatons en plus. Oui, carrément. Ah, on a raté un objectif. J'ai mon gamin qui est à côté de moi qui fait « Et maintenant le monde des robots ?» J'ai dit, non, non. Là, on a bien loupé un truc. Ouais, ouais, Annie. Ah, je sais pas ce que c'est. Je connais pas les icônes. Ah, Annie, un chef là. Ligo, c'est à dire à ton fils que y a plus les robots, on a gagné la guerre contre eux, c'est fini. On les a exterminés, c'est bon. On les verra plus jamais. On les a piratés et du coup, ils sont à notre ordre. À nos ordres. Maintenant, ils travaillent ils font du café, à SpaceX. Hein. Voilà. Oh. Et dans 2 ans, il y a Skynet. Yes, niveau 18. Oui. Oh. Oh, de Dieu. Encore 2 niveaux avant le canon laser. Tintin. Piu. Allez, comme d'habitude, à la fin de ma vidéo YouTube, c'est là que je vais faire la petite pause pour le stream et je fais la coupure donc ici. Et puis, bon, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'aventure. Ça fait 2 fois suite, je le sais, je fais ce que je veux. Allez, à toutes.